Et là, Birgit van petit calcul qui est dans working out in powers, mon calcul qui vient plus souvent de l'examen de ça. Et premier calcul qui nous prend de powers, c'est work out the powers itself. Okay? Repeat the multiplication. Je veux dire, 2 c'est la base, 2 calcul qui vous apparaît. 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et 3 calcul qui vous apparaît pareil. 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et rappel, pas de piège, et c'est pas 8, ça, hein? Pas qu'à Gétienne, c'est le coup, nous dire 8. Ici, nous dire 12, 4 coup 3, 12, c'est pas ça. Ok, c'est repeated multiplication, c'est pas repeated addition. Repeated addition, c'est tab, mais pas tab 3 ici, là. Ok, c'est tab 3, oui, mais beaucoup. 3 fois 3, 9, 9 fois 3, 27, 27 fois 3, vous devez faire un calcul pour gagner, ça va pas gagner. C'est pas 12 du tout. Ok, donc 27 fois 3, 81. Et tout le temps, il faut parler ça. 3 power 4, donc on a 81 tout le temps. Et 2 power 4, 4 power 8, 8 power 16. Tout le temps, 2 power 4, on a 16. 4 power 2, ok, c'est un square number, c'est 4 par 4, 16. 5 power 3, ok, donc le repeated multiplication là, 3 coups de 5, vous apparaissez. Et 5 par 5, 25, 25 par 5, c'est une affaire par 25 de l'histoire, facile, 25, 50, 75, 100, 125. Sinon, c'est pas connu, faire calcul. Maintenant, bonne powers qui est intéressant, qui nous a fait direct sans passeport calcul. Premier, nous faisons pas calcul avant. 1 to the power of 4, veut dire 4 coups et vous apparaissez dans repeated multiplication. Alors, tu prends ici n par n, n par n, n par n, 1 by 1, et lui, c'est par 4, c'est 1 times 1, 1, 1 times 1, 1. Et n'importe qui power 1 nous gagne, 1 to the power of any number, it is 1 itself, pareil comme ici, parce que n, ça coupe fois lui-même. 1 will multiply by itself, so we'll get 1. 1 times 1, 1, 1 times 1, 1. Ça répond ce qu'il y a, 1 times 1, il peut aller comme ça, donc il vous reste n. Ça, c'est une chose intéressante de powers. Maintenant, on prend 10 to the power of 3. On prend une powers of 10. Okay. D, on donne 3 exemples. Power 4 et 10 to the power 7. 7 coups de 10 vous apparaît. Donc, toujours vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Alors, nous faisons 1 by 1, nous mettons carré. 10 fois 10, 100, 100 fois 10. Vous ajoutez un 0, 1000. Ok, de 100, on ajoute 0. 10 fois 10, 100, 100 fois 10, 1000. Je veux dire, on ajoute 0, 3, 0, et puis fois 10, 10 000. Chaque fois, on ajoute 0. Et ici, 10 fois 10, 100, 100 fois 10 000, 10 000 fois 10. Okay? On arrive là, 10 000. Enfin, 10 fois 0, ça. Okay? Ici, une fois 0, vous gagnez 100 000. Ici, il ne reste aucun 0, vous gagnez 1 million. Et puis ici, vous gagnez 10 millions. Ça veut dire qu'on a 7 0. Donc, on a 7 0 ici. Okay? Et donc, est-ce qu'il nous a fait direct? Oui. 1 to any power, je veux dire 1 même power 10, il vous reste 1 même. Maintenant, 10 ici, nous a fait direct. Dans 10 power 3, on a 3 coups de 0. Parce qu'à chaque fois qu'il multiplie 10, on ajoute 0. Okay? Et 10 power 4, on a 4 0, 10 000. Et 10 power 7, on a 7 coups, vous ajoutez 0, je veux dire qu'on a 10 millions, okay? 10 millions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire carte direct, pas passeport calcul. Maintenant, le dernier, avant-dernier, dernier. Ça c'est square number, l'étudiant. Tu vois, power 2, c'est square number, 5 par 5, 25. Ça c'est intéressant, 1 power 2, n là-haut, 4 power 2, c'est 16. Ok, je rappelle, n, c'est 1 to the power 2, 2, 4. Je veux dire n, 4, 9, 16, c'est pas un square number, on gagne ça à travers power 2, quand le chiffre n'est pas lui-même.
Et dernier acte, Power 2, c'est 5 par 5, Power 1, c'est que un seul coup de 5, de ces 5 mêmes permutations. Okay? Any number to the power 1 is a number itself. Je vais vous faire quelques exemples. 6 power 1, c'est 6. Mais là, je suis pas sûr, on fait des notes. 6 power 2, vous nous m'expliquez. Okay? I. Donc, en fait, le 21 power 1, c'est 21 même. Ok, ça, c'est une chose intéressante de power. Notez bien le cahier.